Et re les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Star Trek Online, la partie 2. Et on s'amuse vraiment bien sur le jeu. Et let's go, on tue des Klingons. On a récupéré notre petit vaisseau, on est devenu capitaine. On est le boss. On est juste, enfin la boss. On va se mettre en mode rapide, voilà. Let's go. Quoi? Quoi, elle m'a dit qu'elle avait besoin de temps. Non. Faut dû écouter. Let's go. Oh, le double torpille, tiens mon gars! Attends, il m'a dit de me mettre de côté, je peux tirer avec deux lasers en même temps. Let's go! Let's go, non? Non, mais faut avancer, mon pote. Voilà. Les deux lasers, ils sont là? Ah, ça c'est celui-là de devant, ça c'est celui-là de derrière. Ah, ok, donc si je fais ça, je peux tirer avec les deux en même temps, mais ça fait trop mal, let's go! Je suis tellement le boss! Quoi? Je peux augmenter. Oh, trop bien! Comme Star Citizen! Je peux mettre de la puissance sur tel ou tel shield. Oh, faut mourir par contre là, monsieur. Oh, il prend cher. Bon, on va se retourner pour lui mettre un petit. Une petite torpille là dans la gueule. Ah, ça suffit. Oh, le SS Chimera. Ah, ok. On reste à côté des vaisseaux qui explosent, ça va, c'est logique. Bonjour. Bah ouais. Ouais. Yep. Yep. Right. Well done, cadet. Looks like your ship is in need of repairs. Set a course for Earth space dock. We'll get you back in one piece. Ok. Believe me, cadet. If he comes back looking for a fight, he'll get one. In the meantime, set a course for our position. Chimera out. Non, je suis en train de venir là. J'ai déjà fait le tuto là. Rendez-vous de Chimera. Je peux pas aller plus vite? Ah, je dépends en full N+. Ok. C'est fort le full N+. Hein. Oh non, ils sont attaqués. Oh, s'ils sont détruits, c'est mon débloc. Non. Ouf. Oh, le full N+, ça fait peur. Mais let's go, mon pote. Il a pas du tout fait ça, hein. Arrête de mytho. J'aime ce qu'on a les séries, ils sont toujours bien à plat, c'est trop dur d'être à plat. Ah, c'est parce que c'est l'espace. Let's go. On va se mettre juste comme ça. Hein. À plat, double torpille dans ta gueule. Tiens mon gars. Il est pas bien. Il est pas bien. Let's go. Dommage. Hold on. My comms officer informs me that we're unable to contact the Kittimer. Not good. I'm going to the coordinates to see if they need help, and I want you to accompany me. Consider this a field promotion, cadet. Oh, notre première quête. Let's go, je viens. Ok, c'est quoi ça? Zarva, c'est une bolienne. Officier de pont, ok. Ok, mais c'est marrant parce qu'on est tous des cadets, hein. Ça pue un peu la merde, ouais, d'accord. Très bien d'avoir des gens un peu expérimentés, non, quand même. Marrant. Autre marrant. Ok. Ok. We're here, Captain. The USS Kittimer is dead ahead. Our orders are to make contact with the Kittimer and find out why they've not responded to our hails. Le système Pollux. Attends. Ouais, ok. Très bien. Ok. Allons sur l'USS Kittimer. Let's go. Ils me suivent là, les Chimera? Oula, c'est un peu trop rapide. Arrête, arrête. Arrête!
Voilà. Ah, plus tu vas vite, moins t'as de trucs à gauche. Ok. Ok, bonjour. Yes, sir. I will require approximately 15 seconds to make the necessary adjustments. Ah, mais ta gueule et fais-le, ça ira plus vite. The cadets were ambushed by Klingons. Captain Taggart was killed in the attack, and the ship is under the command of this cadet. The Chimera was escorting them back to Earth space dock, but when we couldn't contact you, I decided to alter course and investigate. What's the situation here, Captain Nian? I'm troubled by the anomalies in this system, and if they're affecting long-range communications, then they're doubly a cause for concern. Let's do this by the numbers. We've already launched 9 probes. Now that they're active, we can do an in-depth scan of the anomalies. Ok, ils vont lancer des sondes. With all 3 ships collecting data, we should be able to complete this quickly and formulate a course of action. Any questions? Let's go, on est trop fort. You're quite confident for a cadet. You remind me a bit of myself when I was an ensign. Of course, I wasn't commanding a ship back then. Let's see how you perform before you start claiming that chair full ouais, time. Ouais, t'inquiète. Bon, c'est moi, hein, capitaine, hein. Calme-toi, hein. Il est fou, lui, il va prendre ma place de capitaine. Alors. Attends, je suis où? Ah, c'est lui qui bouge. Oh putain, j'ai eu peur. Ah, changer les... Ok. C'est quoi ça? Changer les niveaux de puissance. Ah, ça c'est différent de l'affichage en fait. Ok. Donc plus de ok. C'est Star Citizen en fait. Plus de shield, plus de trucs, ok. On va rester équilibré pour l'instant. C'est quoi ça à droite? Je sais pas. Réacteur, laser, shield. Comment les torpilles hein. C'est un peu bizarre. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Je sais où je vais aller. Je vais voir qu'est-ce qu'il a. Hein, quoi? Ah, mais là, ça. C'est à me faire là. Can point delta. Ah, c'est là-bas. Ok. Let's go. Ah, c'est dur de tourner quand t'es dans le mode là. Non, stop. Mais dis quoi, shift R en fait? Shift R? Ok, il faut un petit temps. Let's go. Bon, on y est là. Bizarre l'espèce de truc là au-dessus là. Vraiment bizarre. Ok. On s'arrête. On scanne. Reports indicate traces of gamma radiation. Ok. But there's something off in the readings. Fameuse radiation gamma. Ok, shift R. Ok, on s'arrête. Ah, ça c'est stylé quand même. Kittimer here. Are you seeing the same gamma radiation levels that we are? Ouais. I'm not sure that a normal scan will be enough. We might need to do a full multiphasic reading. Ok. J'ai déterminé que. Un problème de tachyon, non, les tachyons ça dure longtemps. Non. Oh non. Alors les tachyons c'est tout ce qui touche le... Modification d'espace-temps. Ça c'est relou. C'est le truc chiant dans Star Trek. Deflector dish is realigned for reverse tachyon pulse wave, sir. Okay. Picking up a transwarp signature. It's right on top of us, the Borg. Oh merde, c'est quoi cette merde? Putain des Borg. Ah, ça veut dire Borg aussi. C'est tachyon. Ouais, mais arrêtez de tirer. Je vais être assimilé, les gars. On va aller plus bas. Let's go, mon pote. Quoi ça? Plus de bouclier. Let's go.
Elle est pas sur ma droite. Elle est sur ma droite là, pourquoi je peux pas faire l'autre? Ah voilà. Let's go. Un peu plus vite quand même. Je vois pas ce que je prendrais mon cher là. Ok, torpille. Je l'ai détruit mon gars. J'aurais peut-être pas dû rester à côté. J'aurais pas dû rester à côté. Moi je peux pas aller plus vite. Moi je peux pas aller plus vite. Je crois que c'est parce que j'ai pris des dégâts. Ah, Firewall Beam, Firewall Torpille. Let's go. C'est quoi ça? Firewall Weapon. Bah vas-y, Firewall Weapon. Fais-moi ça tout le temps. Est-ce que ça tire automatiquement? Let's go. Wouah! Les petits bruits de torpille là. Ça fait plaisir. Hein. Oh non, il y a une fuite du réacteur. Fais chier. Tu l'as cru mon pote. Let's go mon pote. Allez, détruis-moi ça. Au moins les malins, les borgs ont des vaisseaux. Hein. Ah non, j'aurais pas dû me mettre à côté. Fais à chaque fois l'erreur. Je suis con. Alors, moi je lui parle. This is the emergency medical hologram aboard the USS Kittimer. I'm requesting assistance from any Federation vessel in range. I've lost contact with the bridge. I am unable to contact Commander Davis for new instructions. OK, ils sont dans la merde. The Kittimer is being overwhelmed by Borg boarding parties. Oh merde, ils sont fait aborder. These are different than the ones in my history records. They seem disconnected somehow. They're strange, but still quite dangerous. OK. I am an emergency medical hologram, not a miracle worker. Ah mais c'était complètement con de lui dire ça. Ah c'est marrant. C'est chiant parce que je vois tous les choix des autres classes que j'aurais pu faire. The Borg did some serious damage on the Kittimer. The EMH might be in command because no one else is fit to do so. Mm-hmm. I don't like this. The Borg haven't been seen in this quadrant for decades. On se sent tous morts. It's a coincidence. We need the data from those probes. All okay. Set teams to aid the Kittimer. I want you to finish the scans. We need to know the extent of the Borg presence here. And Cadet, if you or your crew are unable to tackle this, speak up now. The Borg can rattle veteran Starfleet officers, and you've already gone up against the Klingons today. Non, on y va tranquille. I've linked the IOTA point to your map. Scan there while we see to the Kittimer. Hein? Je vais faire quoi? J'ai scanné les trucs. Oh non, mais moi je voulais aller dans le truc. Je voulais aller dans le vaisseau. Je voulais faire un abordage moi aussi. C'est chiant de tourner quand même. C'est bon, on y est. Ah, il va y avoir des mecs. Send us the data so we can begin our analysis. Let's go, vas-y. Ah, ça télécharge, là, il y a la fibre. And our science team is analyzing it now. Okay. Our tactical teams have eliminated the Borg boarding parties on the Kittimer. Why do you ask? Ils sont forts. There is an 88.47% chance that you will need my help. Okay. I have 75 million gigaquads of computer memory and an extensive library of files on military tactics and command strategies. I believe I can spare a few bits of processing power for you. Ok. Ok. Borg transwarp signatures detected. This is it. Get ready for combat. They're firing. I need help. On a encore des Borg. Let's go. C'est quoi ça? Oh trop bien, on va plus vite. Allez, faut crever mon pote, hein. Faut crever.
Ah, il me dit que son shield de bon est pété. Ah, encore, faut se retrouver devant. Hein. Bah, j'ai pas trop bougé les trucs à gauche là pour l'instant. Ah, il va crever. Là. On va lancer une petite torpille, voilà, nickel. Et où l'autre? Ah, il est là, là. Ah non, je me suis encore approché, je suis con. Ah, lui, il est pas bien, là. Torpille. De côté. Ce qui est con, c'est quand t'es de côté, je peux plus mettre des torpilles. On est pas mal là, on est pas mal là. Nickel. Ou non, on est encore. Allez, on est détruit les gars. Visez lui par contre, il est de l'eau. Ah merde, faut tirer le bonus torpille. Arrête. Let's go. Il est pas bien. Je suis un peu en frontal là. Hop, un petit peu de bouclier en plus. Ok. Bon, faut mourir mon pote. Voilà, il est pas bien. Merde, tire. Voilà. Ils sont plus bien. Petit coup de torpille. Voilà. On est pas mal là. Ok. Le dernier. Oh merde, c'est quoi cette merde là? Multiple Borg warp signatures detected. Oh, ils ont ramené une porte des étoiles. Oh merde. On va peut-être se casser les potes, hein. Je sais pas vous. Ah, tiens, hein. Ah ouais, ils nous ont pris pour des merdes. Ils ont laissé 2-3 petits trucs et ils sont cassés. Oh, ça me voit. Ça me voit. Ça me voit. Alors par contre, bien marrant, hein, les shields de devant, mais c'est une sphère. Un peu con ce que tu me dis, mon pote. Il n'y a pas de devant dans une sphère. Après, il s'est arrêté. Let's go. On va le suivre comme ça. Ouh. Pas mal, pas mal. Hein? J'ai loupé des systèmes. Ok, Cadet. Here's how I see it. The Borg are using the Pollux system as a staging area. Ok, ouais, ça on a compris. Our long-range sensors are picking up inbound transwarp signatures. Their most likely target. Oh non, pas le système Vega. There is a civilian colony there, and if the Borg take it by surprise, they'll have a large population to turn into drones. Non. Il fait quoi le Kitomer? The Kitomer was badly damaged. They took heavy casualties as well. Medical tells me Captain Yim was gravely injured, but he'll recover. We're still working on triage and restoring the Kitomer's critical systems, which leads me to our next course of action. I want you to go to the Vega colony. And warn them about the Borg. Bah ouais. The Chimera is better equipped to hold off further Borg attacks and assist the Kitomer here. We'll do what we can to delay the Borg, but it's gonna be up to you to warn the Vega colonists. Bah ils sont déjà partis, qu'est-ce que tu vas délayer en fait, t'es con? It's not a matter of can, Cadet. Mm-hmm. It's a matter of must. We'll buy you as much time as we can. You should have enough time to warn the colony.
Non, parce qu'il peut appeler genre Starfleet, mais il peut pas appeler la colonie. We have to make our way to Vega as soon as we can, Captain. I just hope we're not too late to warn the colony. Are you ready to go? Ok, laisse-moi juste deux secondes en fait. Oui de merde. Voilà. J'ai l'impression que j'ai des trucs mieux. Laser beam, hein? Laser beam arrière standard, quoi? Destructeur de merde. Ça, c'est le démoné que j'ai. Voir la gueule de mon vaisseau. Comment je fais? C? Hein? Normalement, c'est C dans tous les jeux. Oh, je suis passé lieutenant. Let's go, je suis lieutenant, mon gars. Apparemment, j'ai un nouveau vaisseau, mais. Peut-être changer de vaisseau comme tu veux en fait. Ok. Cool d'être lieutenant, mais. Ça doit être pas. Non, non. Voilà, let's go. Okay. USS Novi. Ça c'est mes officiers. Ok. Ça c'est mes weapons, tu peux changer. Ça c'est blond, ça c'est vert, ça doit être mieux. C'est quoi ça? Disrupteur dual beam bonk. Ok. En mettre deux. Ah ok, donc ça c'était les torpilles. D'accord. Bimaré standard issue. Bimaré, en fait c'est le cercle, ok d'accord. Et... Ok. Ok, j'aurais pas mieux. Déflecteur j'ai pas, c'est quoi ça? Hyper impulse. En fait si, j'en ai un devant et derrière, c'est ça. Je pourrais mettre ça, c'est mieux parce que c'est du vert. Je le mets devant le meilleur. Je pourrais mettre des torpilles à l'arrière. Et tu peux changer les consoles, c'est bien. Impulsion. C'est déjà celui-là que j'ai. Standard ici. Ça c'est quoi? Je rentre hyper impulse MK1. Ok. 7,5, vous avez un, mais c'est moins bien. Ah non, c'est mieux en full impulse. Ok. Pour les skills et tout, j'imagine que ça viendra plus tard. Bon, bref, suivons le tuto. Suivons le tuto. Et salut Redward, comment vas-tu? Je suis en train de. Jouer à Star Trek Online et je comprends rien, mais le jeu est très très marrant. Enfin, très marrant. Il est sympa le jeu. On soit attaqué par les Borg, tranquille. Ce qui est drôle, c'est que tu peux contrôler un vaisseau. Et ça a l'air vraiment cool. Par contre, c'est un très vieux jeu. Certaines missions... Ok. Donc il y a un point jaune, c'est que je peux aller leur parler. Okay. Oui, j'ai compris, je dois aller... Je vais aller les prévenir, je sais. Ah, un nouvel officier. Vulcan. Ah, j'aime pas les Vulcans. Officier scientifique, c'est ce que j'aurais dû être. Au final, je suis capitaine. Je suis dans le secteur de l'espace, ok. Je peux faire des warps. C'est pas si moche hein, comme jeu. J'aime bien. Ah, t'y as joué? Ah, pas mal, pas mal. Alors, il est cool le jeu à la fin? Moi, j'y joue juste pour découvrir, hein, parce que, bon... C'est quand même un vieux jeu, quoi. C'est dommage, hein, parce qu'à l'époque, je savais pas qu'il existait. Je pense que j'ai sûrement joué. Ok. Je peux bouger?
Donc là, je suis en hyperespace ou en impulsion, là ? Je rêve où il y a un système de découverte. C'est grave stylé, c'est ça. Bon. Avant de faire des tours dans le vide. Oh la map. Ok, c'est pas si gros que ça, mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. C'est du MMO, donc à la fin, il n'y en a pas vraiment. Ouais, bon, oui, c'est un MMO. J'ai vu qu'il y a des extensions. Je sais pas si le jeu est encore mis à jour. Ça me paraît très bizarre qu'ils soient encore mis à jour, mais... Si les serveurs tournent, c'est qu'il y a des joueurs. Hein. Après, il y a peut-être trop de fans de Star Trek. Hein. Bon, Star Trek, c'est quand même un monument, quoi. Ce serait bien que ma souris arrête de buggy. Voilà. Moi, je suis où, par contre? J'étais pas là, donc je suis là. Pollux, voilà, je suis là, et je dois aller à Vega. Ok. Pique course homme, ça fait tout automatiquement, c'est bien, ça. Galaxy Map. Tu veux dire M? Ah. Ah. Ok. Alpha, bêta. Gamma, theta. En gros, c'est un 2, 3, 4, quoi. Mais trop bien. J'imagine qu'il y a à peu près toutes les planètes principales des séries, quoi. Putain, c'est grand. Bon, c'est grand, après, c'est peut-être que de l'espace avec du vide, quoi. Mais ça a l'air grand. Oh, je vois des autres joueurs. Trop bien. En tout cas, moi, je passe très près de l'étoile, là. Il est sympa le jeu hein, pour l'instant, j'aime bien. Hein. Très content de le tester. Ah voilà, système Vega. Attends, on va peut-être se calmer là. Je l'avais dit directement Vega ou Risa. Ok. Vega 9. Vega System est un des systèmes colonisés le plus tôt. Ok. Ok. Use automation en Vega 9, massif cargo dépôt. Genre, il y a des cargos automatiques. Stylé de ouf. Voilà, ok, d'accord. 2 millions Fédération Citizen. Bah, c'est pas beaucoup hein, pour une grosse planète. Hein. Ça a toujours été du troll, ça, dans Star Trek, quand même. Hein. Les mecs, ils ont des gigaplanètes, ils sont 50 dessus. We arrive before the Borg. Now my heart can start beating again. What are your orders? Tavrell managed to establish a comm link with Willa Post, the administrator of Vega Colony. Greetings, Captain. Is there something I can do for you today? Bah, vous êtes dans la merde. Repeat, please. Your signal is breaking up. Did you say the Borg? Oui. Vous êtes dans la merde. Okay. I have lost contact with Vega Colony, sir. Something is blocking all subspace signals in this area. Even our hails to the civilian ships are not getting through. There is a communication satellite nearby. It should boost our signal sufficiently to inform the freighters of the danger and warn the colony. Alors, le problème du jeu actuellement, c'est que la majorité des joueurs sont dans le endgame. Normal. Vu que c'est encore un free-to-play, avec pas de cash, tu vas mettre une TNT pour y arriver. Ok. Bah, c'est un peu le problème de beaucoup de jeux. Surtout des vieux jeux comme ça. Et des vieux jeux qui ont besoin de thunes. Hein. C'est un peu comme, je pense à Star Wars Old Republic, qui est aussi un excellent jeu, hein, qui est très bien. Mais tu peux jouer pas mal du jeu en free-to-play. Mais t'es quand même presque obligé de payer, quoi. Et c'est ça qui est relou. Quand t'es obligé de payer, c'est chiant. Mais bon, les mecs, ils ont besoin de thunes. Hein. Ils ont plus trop de joueurs. Il faut des thunes qui rentrent, quoi. Bon, allons-y, selon le satellite. Par contre, je suis passé lieutenant. Avec 2 barrettes. Très bien, ça. Ok. En mode warp, là. Non, en mode impulsion. Let's go. Let's go. Boost signal.
Honte, il est giga gros le satellite. Our hails are still blocked, sir. The Borg may be attempting to isolate the planet before they land. Your Borg are jamming up any remote signals. It's not safe to beam through that. I think I can boost the gain though. Non, moi je fais pas ça. Transwarp conduits opening all over the system, Captain. The Borg are here. Ok, allons péter la gueule aux gens. Ah, j'aime bien ça. Those civilian ships are right in the Borg's path. We have to help them. Ils sont en train de se barrer les mecs dans des cargos. D'accord. Ok, allons les protéger. Pas loin. 14 km. Non, voilà. Va plus vite. Voilà. Bonjour les amis. Moi tapez-vous. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, t'as un temps d'attente en fait. Quand tu sors d'impulsion. Ok. Rien de prendre cher hein. Ah, j'appuie juste pas pour le bouton, je suis con. J'appuie pas sur le bouton, je suis con. Ah, la petite torpille mon gars. J'aime bien les bruits du jeu. Le sound design est cool. Ouf. Oh la torpille, je me prends. Allez mon gars. Je le finis lui, nickel. On met un peu de bouclier là parce qu'on prend cher. C'est quoi ça? Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Drain Shield. Marrant ça. Allez mon gars. Par contre les torpilles ça fait si mal. Let's go. Merde, faut que j'arrête de me coller à eux à chaque fois. Je suis con de me coller à eux à chaque fois. Ok. Encore des mecs à les buter. Plus vite ou pas plus vite? On y arrivera assez tôt. Il est pas mal ce jeu. Bon, c'est moche, hein, mais... Ça va. C'est potable. Par contre, je sais pas si tu sais quand il est sorti. Ça m'intéresse. En quelle année il est sorti? Ouh, ça fait des sauts hyperespace. Ça me plaît, ça. Oh mais CTRL R. Ah mais je suis... J'ai pas le bon bouton ou je suis con? Bonjour. Allez, mourez les potes. C'est bien ça. Hop, on peut taper de côté, nickel. Au début c'était un abonnement qu'on mourut. Ensuite c'est passé en free-to-play. Après, passons de free-to-play, c'est pas forcément mauvais, hein. C'est mauvais quand c'est mal fait. Quand tu prends les gens pour des cons, en mode, tu peux pas jouer sans payer, quoi. Mais t'as des MMO qui sont très bien faits, quoi, en free-to-play. Et pourquoi ça marche pas, le full impulse? Ah, faut le faire deux fois, en fait. Hop. Tu fais ça, ça stoppe juste. D'accord. 2010 quand même? Ah, je pensais ça plus vieux quand même. C'est pour ça que c'est pas si moche. Et j'ai l'impression que c'était quand même plus vieux. Après c'est sympa, c'est pas un MMO classique. Ok. On a un mec qui tire tout automatiquement tout le temps en fait. Aucun intérêt de retenir tes coups. Consulte ton crew. Comment je fais ça? Captain, I have short-range communications. Long-range signals are still blocked. I can contact the planet and have informed administrator post of the situation. However, okay. The Borg have already landed and are moving toward the colony. It may be more prudent to retreat back to the Chimera, sir. Non. Allons tuer des mecs. Borg landing craft detected nearby. Captain, there are civilian ships engaging them. I believe I can send a message to those ships. Non, mais on s'en fout ça, allons tuer les mecs. Comme toi, hein. C'est bien de pas leur parler, mais on s'en fout. Hein. Civilian ships, mon pote. You are ordered to disengage and retreat. We will cover you.
Ah oui, bon, on va leur dire de se barrer, c'est peut-être pas con. Let's go. C'est marrant ce truc là, tu peux bouger tout vite. Let's go. Les vaisseaux Borg, ils sont trop marrants. J'aime bien parce que dans la série, tu vois que des cubes. Des cubes, c'est pas ouf. Enfin, que des cubes, mais des sphères. C'est marrant le genre de petite pointe là. Let's go. Ça fait si mal. Moi, je vais mettre une torpille à l'arrière. Et bon, je pense à plus craquer après dans le jeu. Je veux dire à Lisa de prendre les commandes. Ça fait quoi, 10 minutes qu'elle est cadette? Totalement compétente. Hein. Let's go. Plus vite. On va se calmer un peu. Oh, lui, il est pas bien. On peut tirer de là? 8 km quand même? Je l'ai OS? Je l'ai OS. Go to Vega Colony. Captain, the Borg have landed and the colony won't be able to hold them off for long. I recommend beaming down to Vega and getting as many people out as we can. Let's go beam down. Ah, du coup, tu choisis ton équipe. Marrant ça. C'est vrai que ça aurait été con si tu descendais tout seul quoi. Star Trek, c'est les équipes quoi. T'es obligé de partir en équipe. Ça serait trop con. Juste temps de recommencer en clingon là pour voir comment c'est. Et déjà, putain, ils sont rapides. The region we're in will be overrun in roughly 1 hour. And if that wasn't bad enough, the interference is affecting the ship's transporters. Attends, on s'est battu pendant combien d'heures là? Rien sens. No, sir. I'll follow your lead. Ok, let's go. Ils me suivent. Trop marrant, les potes qui te suivent comme ça. On suicide ou pas? Alors. Tu peux leur dire des trucs. Alors c'est vrai que ça fait quand même 2010 comme jeu. Mais ils auraient pu faire mieux hein, pour un jeu de 2010. Those landing ships don't just carry drones. They can pump nanoprobes directly into the ground and the atmosphere. We need to hurry. The Borg will be in this area soon. Ah, je les tag pour qu'ils soient TP. Ok, let's go. Let's go. Bon, on a sauvé 4 personnes, c'est pas mal. Je peux pas me diriger à la souris au clavier comme sur WoW, ça m'énerve. Let's go. Thank you. We didn't know if anyone from Starfleet got our distress signal, and we don't have any weapons. But we do have some spare armor suits for you and your officer. Oh, but then they're in the crates next to the gate. This code will open the gate. Des armures, trop bien. Non, parce que dans la série, ils mettent jamais d'armure, mais j'aurais pas pu faire de MMO sinon. Let's go. Body armure, ok, énergie de Starfleet, ok. Ok. Utovure statue. Équipe, let's go. Et je peux pas en mettre à mon officier? Elisa Flores. Okay. Let's go. Ok. Ouais, je peux promouvoir. Oh, trop bien. Marrant. Alors. Est-ce qu'on la voit l'armure? Non, on la voit pas. Une sous-couche. Ah, je suis encore dans le tuto. Hein. Je suis totalement dans le tuto. Oh, des Borg! On va les voir de près.
sont stylés les Borg. Oh, attends. Voilà. Ça, c'est stylé, mon gars. Clic droit ? Ouais, ça veut plus. Ouais, ça veut plus clic droit. Allô, le jeu. Alors. Mon match de hier soir, il s'est très très mal terminé. Hein. Je me suis pris un bon petit 5-0. C'était vraiment la décadence, quoi. Je l'ai mis sur YouTube, si tu vois. Mais le match, il est... C'était vraiment la violence, quoi. J'ai rien réussi du tout. C'est vraiment le pire match de ma vie. Allez, pas t'en monte. En fait, les mecs, ils sont venus, ils ont eu le temps de venir, de mettre la mer par terre, là. Vraiment. Ça n'a aucun sens. On prend jamais comment ça marche, les Borg. Alors, mais comment on vise de nouveau, là? Pourquoi ça marche plus? Ok, ouais, ça a enlevé mes contrôles, d'accord. Hop là, vas-y, marche. Ah, il faut s'accroupir, ça aide. Let's go. Ouais, let's go. Pourquoi je vois des taches rouges, là? Buggé, hein. Et la map, elle est tellement zoomée, c'est un délire. Ah, bonjour. On a tenté une attaque corps à corps? Pas mal, ça. Hop là, corps à corps. C'est haché. Ah, c'est un officier tactique. Ok. Ok, ça va, ils sont pas encore convertis. Let's go. Même les quêtes à la con, c'est marrant. Peut-être parce que c'est tuto. Mais le mode FPS est trop marrant. Ça me fume le mode FPS. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu. Allez, on meurt les potes. Ah, t'as des dégâts en plus si tu flanques. Nickel. Bonjour. I apologize for Cole's putting a rifle in your face. If it wasn't for him, the Borg would have assimilated me by now. What's the situation? Ok. Et pourquoi tu te casses, on parle? I apologize for Cole's putting a rifle in your face. I see. And it's true. Vega is doomed. A single starship. Non, non, il est trop fort les potes. Still, there is. I know. Coles and I have been trying to get around the interference field. Okay. No, there are dozens more hiding out in the buildings. But Coles and I have a plan. We think a pattern enhancer. Okay, ça me donnait du stuff. Let's go. Ouh, c'est là. Yes, super tour de caisse. Sinon, skit module medical tricorder. Let's go, un tricorder, les gars. Let's go, un tricorder. Console de science, c'est bien ça. Merde. Qu'est-ce qui se passe? U. USS. Science console, pourquoi il l'a pas mis? Ah bah voilà. Autoporte. Ok. Ouais, non. Torpille, tu l'as mettre là, torpille plutôt. Et celle-là, elle est mieux. Et... Ah oui, elle est mieux. Et déflecteur à neutrino. Ok. Le reste, on s'en fout. Ah, tu vois, par contre, là, le buy more slot. Faut le seul moyen d'avoir de l'inventaire en plus, c'est de payer. C'est chiant. Bon, après, ça va, il a l'air assez gros comme les sacs. Alors. C'est pas où, c'est pas là. Let's go, ça c'est un booster de signal pour les. Pour le transporteur. Okay. Ok.
Bon, t'as elle prend un peu trop d'initiative, hein, la connasse. Hein. Ok. How long do you think you can hold off the board? Let's go. On va se mettre où? On va se mettre là. Remember when we thought fighting a crazed Klingon was the worst thing that could happen today? Let's go. Ah oui, passez au milieu, les gars. Concentrate fire on the board. We need to keep them away from the civilians. C'est parfait si vous passez au milieu. Y'a pas des petites grenades là, je mettrais bien une petite grenade. Another group of civilians has beamed to the ship, Captain. Clic droit. C'est quoi ça? Ah oui. Ouais non mais c'est accessible, mais par exemple là l'inventaire là. Je suis sûr que c'est pas accessible en free to play. Après je sais pas, il y a des genres de pièces, peut-être que tu peux les farmer les pièces là. C'était possible hein. Mais j'en doute. Après de toute façon j'arriverai jamais au late game. Je teste un peu le jeu, c'est tout. Oh merde, pas que ça explose les conneries là dedans. Let's go. Non, parce que t'as un truc qui tire des rayons laser. Mais tu peux pas activer le laser en bas qui t'aide à viser tout le temps. C'est comme chaud. Ok. We have detected a type of generator near your position. There is a 94.6% chance. Thank you for everything you've done. Even though it was impossible to save everyone, those you did save will be forever in your debt. Glad to do anything I can. I was born on Vega. Ah, c'est un bro ça. Enfin, un bro, il va venir dans l'équipage. Let's go, viens mon pote. You're gonna see friends who've been assimilated. I know the drill. Just never expected any Borg here, you know. Ouais. Mais c'est bon, on est 4. Putain, on est bien. On est bien, c'est pas où. On est entre bros. Ah là, il va y avoir du stuff. Ok. Qu'est-ce qu'il me donne? Ah, j'ai ouvert la porte, c'est tout. Hein? Mais c'est des méchants ça! Oh merde, coup de crosse! Let's go! Viens là, pote. Let's go! Il dit la tête, ça change rien. Ok. Par où? À gauche? Ils ont déjà salopé la planète en 2 secondes! Un délire. Let's go! I knew that one. We played poker last night. Mais non, c'est pas avec lui que t'as joué au poker hier. Arrête de mytho. Let's go. Tu baisses? J'ai l'impression que c'est pas moi qui fais les dégâts, mais mes potes en fait. Autrement. Par contre, attends, je suis con. On peut pas looter des gens? J'ai looté personne depuis le début. Ça se trouve, y'a pas de loot dans le jeu. Ah, ça c'est un vrai méchant. Ok. Bonne soirée à toi, Rezor. Merci d'être passé. À la prochaine. Ok, let's go. Let's go. On peut tirer de si loin. Oh, l'autre il lance des grenades. Mais c'est des fous. Evil. I'm gonna go with evil. Mais qui tient contre lui? Lui, ils sont méchants, on a compris, ils sont méchants. Let's go. Comment, qu'est-ce que je dois faire? Disable. Voilà. Disable. Let's go. Ah, c'est le Borg One. Le chef des Borg. Ils auront HP ce con. Let's go. Oh la grenade. Anyone that can get a lock on, Captain, but we don't have much time. We need to get back as soon as possible. Alors pas maintenant hein, comme toi. Hein. Y'a pas un truc à loot là, y'a rien. Je peux pas sauver plus de gens.
Non, apparemment on s'en fout. C'est pas maintenant, c'est juste pour dire comme toi. Ok. Ah, ok, let's go. Beam out. Let's go. We're packed to the brim with civilians, Captain. I don't think we could fit one more soul on this ship. Communications are still jammed. The immediate problem is the civilian ships in this system. Vega's a huge trading outpost. There are always ships traveling here. We need to warn them the Borg have taken over. Possibly, but what we need to do is hightail it out of here with these civilians. Ah, le truc automatique pour sauver les gens. Of course, the path to the satellites does lead away from the planet, so we could remotely reconfigure them as we leave. The message won't get very far. Ok. Alors les amis, on va faire une petite pause, on va stopper la vidéo YouTube ici. Merci à vous tous, merci d'avoir follow et à plus pour la prochaine vidéo.